a décidé de donner un crédit aux homosexuels. Et Yongi Cho était là, il a suivi. Il est aussi passé à la télévision, il a demandé à tous ses fidèles d'aller retirer leur argent dans ce moment. Et curieusement, c'était ses fidèles qui avaient beaucoup d'argent dans cette banque. Le jour suivant, le responsable de la banque est passé pour annuler qu'on ne va plus donner de l'argent aux homosexuels. C'est ce que je veux dans cette paroisse. Amen. Nous ne serons jamais à influencer le Congo ici si parmi vous là, il n'y a pas des gens qui ont beaucoup de moyens. Et ce n'est pas une exclusivité d'un groupe. Peu importe ceux qui vous ont précédé, mais c'est maintenant. Sans argent, sans des élévations dans cette paroisse, sans dénomination dans cette paroisse, nous ne serons pas influencés. Et je suis venu pour ça. Amen. Tu as ton enveloppe, pars. Le miracle commence quand tu commences à parler de toi-même. Tu as ton offrande, pars. Aucun verset dans la Bible où il est écrit on met Dieu à l'épreuve, si ce n'est que le verset de l'argent. Parle et puis je vais terminer. Seigneur, je te bénis. Je te bénis, Seigneur, pour ces dîmes et ces offrandes. Ton peuple est venu t'honorer, t'adorer. Je te bénis. Et je prie pour que toutes tes promesses liées à l'argent et aux dîmes deviennent le partage d'un chacun d'eux. Toutes tes promesses et les bénédictions liées aux offrandes et aux dîmes s'accomplissent dans la vie de tes enfants ici présents. S'il te plaît, Seigneur, élève, impose, nomme, ouvre les écluses du ciel comme tu l'as dit. Et qu'il y ait des progrès, qu'il y ait des multiplications, qu'il y ait de la prospérité, de l'abondance. Bénis cette paroisse. Au nom puissant de Jésus. Amen.